Est-ce que être 1,2 million, 1,5 million, 1,8 million dans la rue, c'est pas suffisant pour que le gouvernement nous écoute? Ce serait quand même très singulier démocratiquement. Donc on va continuer de le faire, on le fait aujourd'hui partout en France avec une grande détermination et on va continuer de le faire samedi prochain dans un grand mouvement populaire, une grande manifestation du monde du travail mais au-delà des citoyens pour dire que oui, on aime notre travail, on aime le travail. Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. On aime les salariés qui sont là, ils aiment leur travail. Ils ont envie de le faire correctement, qu'on leur donne les moyens de le faire dans de bonnes conditions, en les respectant physiquement et psychiquement. Mais ils ne veulent pas des 64 ans. Parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, c'est une mesure injuste. Donc c'est ça qu'il faut entendre. Et puis, on verra dans les semaines à venir si vraiment c'est totalement sourd du côté du gouvernement, comment on procédera. On le décidera ensemble.